Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Je invite à parler d'un dossier accompagné des avocats qui m'a profité de remercier et en plus l'autre camarade qui l'a avec me profiter de l'occasion ça pour me remercier et en plus militant à travers PIA qui t'a porté attention de l'audition ça et qui est crime qui parlait avec me remercier. Me remercier en plus monde qui a soutenu nos moments difficiles ça. Côté, je pensais qu'ils sont capables de décourager la bataille m'a fait pour nous libérer Haïti. Je invite mon dossier pour question administration. Patrick, vous connaissez moi-même comme sénateur. C'est ça me fait pitié. Bah, jeune garçon, possibilité pour chercher la vie. Offrir au travail, recommander. Et nous recommandons pas seulement Moun comme directeur général, mais nous recommandons Moun comme ministre. Nous votons en pile cadet. Nous aider en pile militant à travers le pays. Mais chaque fois que je recommande au monde, je ne pas rentrer dans l'administration. Je ne vais pas rentrer dans la gestion avec vous. Je ne vais pas administrateur, je ne vais pas comptable, je ne vais pas directeur général, je ne vais pas ministre. Et ma petite ça pour la presse encore. Je ne peux jamais gérer un bout pour l'État. Des fois, sénateur, l'autre sénateur, ou pas ordonnateur. Et c'est dans ce sens que je dis, peuple haïtien, je ne pas gagner pour moi ni de près ni de loin. Nous, ensemble, des bagailles, nous montons de toutes pièces pour nous fatiguer politiquement, pour nous décourager politiquement. Bon, 3 minutes pour nous dire nos bagailles. Moi, arrivé comme sénateur, avant de arriver comme sénateur, pour les bagailles, je fais, je vais à l'esprit, je suis en sécurité. Je suis arrivé comme sénateur, nous continuons à battre contre le pouvoir Matelia et le pouvoir Jovenel pour arrêter la désécurité. Injustice. Le moment de libération, je ne parle pas de jusqu'à ce que la justice trouve une intention. Mais en sécurité qui l'a calé tranquillement, je vide qu'à tout souligner. Il ne parle tout le temps. Moi, Chita, la caille moi tranquillement. Le ministre de la Justice débarqué, il vient chercher uniforme la police. Je ne pas faire uniforme. Je dis des milliers d'uniformes là quand même. Je dis persécution politique. Moi, j'ai une manifestation dans le pays, dans le département Miyagwan. Complot fait arrêter. Après la population et tout le monde condamné ça. Après 2 jours, nous sortis dans l'arrestation Miyagwan. Ils ont fait tentative d'assassinat sur nous dans Delma 42. Là, ils ont fait tentative là, même pour voir encore, ils ont fait passer pour responsable. Alors que c'est moi, avec l'équipe, moi, que j'ai besoin de ça. Depuis qu'ils ont assassiné, depuis qu'ils ont tout, ils ont bossé à l'époque. Ça veut dire qu'il faut que tu mourir pour te comprendre que tu es tentative. Mais même, rubrique ça, ils ont continué à persécuter nous. La manifestation soudainement, en 3 reprises, ils ont tiré sur nous. Ils ont tiré sur nous ensemble avec le sénateur Bouplan. Ils ont tiré sur moi ensemble avec M. André. Ils ont tiré sur moi ensemble avec le sénateur Paul Denis. Tout ça, ils continuent à faire. Fin fait tentative d'assassinat sur nous dans Delma 42, nous avons besoin d'arrêter nous. Et c'est là que je viens de prendre sagesse. Je dis que nous n'avons pas de preuve. C'est méchanceté politique. Et bon, les m'a dit qu'il y a des gens qui ont parlé ça avec Jovenel dans le livre qui m'a fait pour sortir. J'ai 2-3 questions de cas tout. Est-ce que Kenny, c'est qu'on est habitué à agir comme ça pour analyser tout ça tout. Qu'on a tout, on analyse l'autre question, Johnny. L'élément intentionnel, ça se dit, et sa doctrine ordinaire là, qui complétait les éléments constitutifs d'une infraction. Est-ce que, yo prend Kenny en flagrant délit de piratage de compte du ministre, ou bien, yo prend Kenny parce qu'il a été berné par un individu, par un hacker? C'est-à-dire, nous obligés de jouer la carte de la prudence, parce que n'importe monde qui a victime, yo qui a été au point, jusqu'à présent, on est des mondes, qui est en prison, qui pénitentiaire, qui est victime de ça. Et malheureusement, on précise qui dit que nul ne peut être arrêté à la place de l'autre. Est-ce que le ministère lui-même, c'est pas un hacker à vous arrêter ou le tarité qui vient? Parce que écoutez. Là, qui vient prendre l'argent, qui vient signer au SUA.
Peut-être que Kenny Baker dit pour qu'il remonter. Ouais, voilà. Avec c'est mon... Kenny, puisqu'il est déplacé physiquement. Mais pour là, et ça, c'est le retour à la question, Guerrier. Quelle infraction au poche de la clinique que Kenny a arrêté? On va le dire, m'associer à ce par rapport à quoi? Attention, Kenny, intentionnellement, a envoyé la copie de sa carte. C'est-à-dire, ou qu'à comprendre, on est cap volé, un bon exemple, cap et fait des actes que la loi punit, et puis pour qu'on coque, et après, tout ouvrir la ligne. On note, là, me dit, on note, j'avais dit, dans la presse, donc, elle a toute activité. Oui, elle a toute activité. Donc, l'appli connaît qu'il y a plein qui est lié, quand même. Moi-même, parce qu'à n'importe moment, il y a quand même, si t'es mon bail, t'as fait toi, si tu le dis, les réseaux, etc., il connaît. Kenny a l'habitude de couvrir les événements du ministre. C'est-à-dire qu'on sait un accointance, mais elle va dire, on sait un accointance entre Kenny et le ministre. C'est-à-dire, là, moi, je pense que c'est faiblesse. Justice tombe, faiblesse, marronnée. La police tombe. Est-ce qu'on a dit la police ou les institutions, les sections, les départements qui résident au niveau de la DCPJ, qui fait que tout le monde est victime indirectement. Donc, moi, je pense que. Aux amis qui sont des criminels, dit FBI, après un temps pour résoudre le problème, ça y est, c'est pas nous-mêmes qui pensons qu'on est capable de résoudre. Donc, c'est éducation, on dit, technologique, mon qui est pour faire. Ouais, qui pour connaître, mais qui précaution pour prendre avec nouvelle technologie, avec appareil, ça, qui n'a même pas, qui c'est téléphone. Ouais, mais il peut être qu'à difficile pour, on dit, faut qu'il y ait une loi pour pénaliser les mounio qui commettent infraction, yo. Mais tout, c'est mounio pour connaître, mais qui comportement pour gagner face à, et matériel, ça, qui n'a même pas, qui c'est téléphone, qui c'est laptop, ou bien qui n'importe l'autre appareil. Alors, Gary, on comprend bien tout. Nous, dans une société, c'est que, et pas un d'un appareil qui intéresse mon nom, c'est gain appareil qui fait show off. Tout autant, pour avoir un iPhone 14 là, il y a pile qui j'aime, il y a pile monde qui n'a pas bien intention de cerner les applications, mais plutôt, ah, mon chien, l'iPhone 15 là, même là, c'est belle photo, c'est ça qui est précieux. Et puis, là, l'État, à travers l'autorité de la police, qui ne veut pas le jouer, tant que M. Janès, on dit que ça lui, sensibiliser, montrer mon nom comment vous appréhender. Mette Anel, bon, une seconde, et parce que là, on a fait un journal en direct. Mette Sylvain, vous voulez parler en direct? Bonjour, Mette Sylvain, c'était Soleil, non? Et c'est directeur juridique et ministère et éducation nationale. Oui, Mette Presnel Sylvain, c'était Soleil, non? On a conclu avec Mette Anel Rémy. Oui. Oui, ou pas même qu'on est, etc. Donc là, on pense que, et puisque Kenny, et déjà, au niveau du commissariat de Bernard Cantois, donc, toujours dans des conditions infrahumaines. Alors, rapidement, si vous répondez en tête là, prison civile, faut liberté, c'est cette charge. Donc, moi, je pense que, et juge de paix, hein, puisque c'est lui qui saisit le dossier, hein, Maïssa Bell, depuis dans sa vie. Donc, il a pour devoir d'agir en son âme et conscience. Et pour permettre que société a tiré le son du fait ça, eux. Et permettre que Kenny recouvre liberté. Et pourquoi? Parce qu'on a commencé à travers des séminaires, des couloirs, des sommets, pour commencer à poser problème là. Et venir, pourquoi pas, dans la prochaine législature du Cap Guéen, pour venir avec des textes là, pour voter, pour qu'on ait tel monde qui nous déstabilise le réseau Cap encore, mais qui ça va pouvoir pour nous. Mais pour l'instant, nous n'en faible ça là, même parce que nul ne peut profiter de ses propres erreurs, et l'erreur doit profiter à Kenny qui est en garde à vue. Et vous me permettez une liberté. Merci. Arnel Rémy, Maître Prisner, Sylvain, bonjour. Bonjour, des guerriers. Bonjour, Maître Arnel. Bonjour, tout au titre de Radio Caraïbe. Et bonjour, tout l'autre journaliste qui est dans la radio matin. Monsieur Guerrier, je ne vais pas t'attendre l'émission en début, lui, mais c'est parce que pendant la rue, j'ai un des appels qui dit que Radio Caraïbe t'a rien entendu pour quelques minutes dans quatre dossiers, ça capte l'actualité sur Radio Amateur. Moi, ça lui a... Pour ne pas rafraîchir et mémoire, cher maître, comme on connaît et ça t'est passé ou déjà jusqu'à ce que nous t'es présent au niveau du BMPAD, nous t'es fait des arrestations. Maintenant, nous-mêmes, nous avons essayé de regarder et comment le ministère, là, notamment à travers la direction juridique, li, t'es après des questions, parce que selon l'information, nous, c'est que, yo piraté contre ministre depuis plusieurs jours, et parlé même de semaines avec moi. Donc, pour qui ça, et pas de gagner des notes officielles, et qui démarche juridique qui était faite, parce que son ministre, quand même, qui lui-même gagne des gros rapports avec de l'autre monde, qui n'a forum
officiel yo, gen des bagages qui a discuté, il y va de sûreté de l'État, tout ça. Et qui t'aime, vous êtes sur téléphone, m'attendez-vous? Il y a quelques phases dans la conversation en cas même. Mais. Téléphone dans l'oreille, yo. Ça va. Et mais qui ça fait? Contre ministre de l'Éducation nationale, la pilote. Et le ministère la rend compte, via bureau communication ministère, la grande note qui vient public. Pour expliquer que le ministre est victime de contre pilote. Et puis le ça, à partir de notre acte public, bon, bonne instance, qui est à toucher le site. Date notre santé, soit si. Et ça a demandé pour mal regarder l'archive, mais quand même après ça tout. Et puis. Il n'y a pas de genoux, il n'y a pas tombé à genoux, j'aime. Ça fait nous estimer le pas public. On. Pour belle instance qui touche la situation, et qui a veillé même gens avec le ministère. C'est avant-hier. Il y a un individu qui vient dans BNPAD pour aller prendre un pub sur nos ministres. Après un ensemble de messages que le montrait juge là, dans un moment constat, il est partagé avec moi qui voulait aller prendre un pub là. Et l'arrivée, le balcon là, et puis, BNPAD était déjà au courant de situation, le ministère a été alerté. L'arrivée sur les lieux, nous estimons que la situation s'est amendée présent sur le juge de paix. Nous requis présent sur le juge de paix, Vini, il tendait monsieur, il dressait procès verbal, il estimait, ça attendait, besoin plus d'informations, tout. Alors, il Kembel, pour le déférer le par devant qui de loi, et pour rester des marches au fait. Et moi, j'attends des collègues, Arnel, félicitez pour approcher. Cependant, qualification infraction pour instance à la justice responsable. Seulement nous-mêmes nos victimes. N'a pas été plainte parce que nos victimes. Mais pour qualifier qui infraction. Et qui peigne à parcourir pour ça, la loi dit déjà. Ok, merci. Allô? Oui, je suis à votre disposition. Oui. Alors, on dit que, par contre, c'est moi qui pas de bien entendu, dans déclaration Rénal de Petit Frère, là, qui ça l'a dit? On dit que montrer nos messages, conversation avec soi-disant ministre, là. C'est ça? Oui, il montre conversation. Hein? Et au compte, qui ça qui attire l'attention? Moun qui voyait, qui utilisait nos ministres. Pour voir Alpre Kobla, suivant déclaration, moun sa volonté téléphone Bali pour le mettre Kobla sur. Alors, c'est pour mon cash. C'est pas mon cash à voir l'agent sale. Comme tu m'as dit. Pour un monde dans une situation comme ça, seulement la gueule. Parce qu'on dit lui-même tous ses victimes, il y a tout. Pour qui ça ne pas quitter le cabinet d'instruction qu'on est, qui est-ce qui est victime? Qui est-ce qui te fait ça? Qui est-ce qui va te faire? Pourquoi ne pas quitter le cabinet d'instruction? Je dis à qui monde qui a des compétences pour la guiche? Pour dire, mon cher, soit dit, c'est vrai, histoire de nous, hein, c'est vrai, nous libérons aller à la caillou. Simplement comme ça. Mais non. C'est impossible. Oui. Je ne sais pas si c'est une obligation pas bon parce que les bains n'ont pas gâté. Très mal passé. Sûrement, on met la bouger, on met la fonte déplacée pour être capable de faciliter et signal la passer plus bien. Ou là, chez Mette. Merci, confrère, je suis là. Prenez des débats audio pour nous parce que nous l'impression que les bains nous perdu. Ou t'as vrai que l'autre bagaille pour nous dire pour nous? Pas trop, non? Peut-être notre 45 dernières secondes. Je l'ai dit. En fait, certains. Nous joignons monsieur dans BMPAT. Et si on document, dit le 20 pour COP dans le ministre, et si Manida. Il montre un ensemble de messages que le partage à tout le monde qui dit que c'est le ministre Manida. Après message, ça, yo, ça attire l'attention. Il y a un numéro de téléphone. Il soumet
Elle dit numéro de téléphone ça. C'est sous l'île de rendez-vous pour voir mon cobla bay moun dans mon cas. Ça veut dire la vie pour cobla dans le directeur général bien pas nommé. Mais la transférer le par moun qui bay moun qui dit c'est unique par mon cash. Lors de vos analyses qui complexes comme ça. Le juge de paix pas qu'à libérer. Et on passe à la présence tout pour libérer. Donc ça n'a plus de théorie vraiment. Mais cependant, complexité question à pas permettre dans le niveau ça ou libération fait. Nous pas gagner avec jeune. Absolument rien. D'ailleurs, nous pas connaître. Et là, il dit qu'on gagne des rapports qu'on traitait déjà avec le ministre. Hier, j'ai parlé avec le ministre. Le ministre m'a dit non. On y a un ministre pas contre qui va les mounes qui côtoyer. C'est simple. Mais là, on parle avec le ministre. Gagne, c'est écrit avec lui. Son corps livre à l'apprendre pour le voir comme la balle. Moi, je trouve qu'on a une prudence dans ça. L'on pas essayer de les ministres. Réel. Sous ta sûr que ces ministres qui ont pris ta voix, réel. Sous détail. Parce que moi, je dis déjà, contre l'aile piratée, nous rendons ça public. Pour tout le monde connaît que contre ça, on pas qu'à fonctionner avec, on pas qu'à faire absolument avec. Je vais parler du numéro de téléphone. D'accord, merci. Et Chamet, alors qu'on a mis là, que me connaît, les dit Johnny, chauffeur ministre là, avec sécurité, lui, c'est policier, et lui, c'est famille, tout. Bon, ça, non, comprenons ça, mais nous-mêmes, nous disons, c'était enquête, t'as demandé. Ça veut dire, c'est. T'es mettre Ariel Henry qui était chauffeur ministre, oui. Nous dit comme ça que, si gagne une enquête qu'a fait, donc, faut qu'il commence l'entourage ministre pour y verrouter le bérivé, hein. M'a dit rien, non. Donc, peut-être rappelle ça, le bar, l'hiver. Oui. Vous comprenez? T'es mettre c'est docteur Ariel Henry qui était chauffeur ministre. Ça pas empêcher qu'il y ait une enquête sous lui. Son enquête sous lui, pas blé dit tout. Pas blé dit tout que lui a gagné un bar avoué avec lui. Oui. Enquête qui a mené sur tout le monde. Oui, enquête. Même sous moi, si je ne parle pas à ministre, si je ne fréquente pas ministre, si je ne parle ministre, il y a quand même. Oui, c'est clair. C'est clair. OK, Zami Sadim, pour Kamuskade, même licence Muscadé au bras. Pour demoiselle là, lui-même qui voyait message pour moi, il dit me l'apprend une réponse ministre là. Ministre Nesmi, parce que ministre Nesmi écrit lui. Alors, on n'a pas été. Qui va le voir tout document, photo. Il va le job. Oui. Toute pièce d'identité. C'est un job. Si c'est l'autre balle, il a pu écrire, il a pu une photo. Il a oublié de le chita à la laptop. Et puis, il saisit un dé, il a parlé des dossiers amateurs. Donc, c'est appel, ministre, la laptop pour le travail. Pour le travail. Bon job. Nous comprenons qu'il y a un danger. Il a perdu comme il y a lui-même. Hein? Donc, nous voyons qu'il y a un danger qui est dans le ça. Pour amis qui t'a demandé et comment la d'avoir fait le jeune ministre. Donc, je te dis ça, avocat. Et responsable affaires juridiques et ministère là, je dis ça là encore, c'est que t'es gagné un numéro de téléphone, mon cash, que Kenny t'a lui voué, on parti à Bolfine Bokobla et que lui-même l'étape Kembe, l'autre parti a. Et t'es gagné, comme qui pouvait le prendre en primature tout, dans la même journée, t'es gagné un kit, qui t'a doit le au niveau de Faes. De ça qui passe, il n'a pas tout fond dépôt. Hein? Mais sauf que, m'te dit mettre là ça, mal cherché sur tout côté, m'ka ouais, note, l'a parlé à que ministère t'a mis deux heures pour son piratage téléphone, moi m'ba ouais. Oui, alors, bravo. Je me dis pas bon, moi, je m'ai cherché là, quelque temps, oui. Bah, ouais. Alors, il y a un magistrat à mort qui attire l'attention sur ça. Peut-être c'est ça, mettre Anel Rémy Tapissé défendre tout à l'heure. Il faut comprendre que le piratage du téléphone, là, c'est une, plusieurs, ou bien, pile aspect, c'est cybercriminalité, hein, malheureusement. Qui pas un criminel ou bien réprimé jusqu'à sanctionner dans le pays d'Haïti. Et sinon, nous capables, risquer, continuer à parité suspect devant ou derrière, mais sans aucune condamnation, parce que tout simplement, pas une législation spécifique. Et en la matière et qui donc li presque et nécessaire ou bien impératif si vous voulez pour ta gagner un décret et avec un aspect technico préventif pour me reprendre mot magistrat ou bien terme magistrat qui réglementé et question ça pendant la incriminer et puis réprimer et Zakil y a question ça et ça doit faire au plus vite en attendant que gagne un parlement qui vini qui pour aborder question hein, en profondeur. Ça, c'est peut-être un professionnel dans le droit, dans la question de justice dans le pays d'Haïti qui t'a essayé de partager avec nous. Donc, pas de peine sans texte incriminant et répressif. Oui, c'est ça. Ouais. Et Anel Rémy t'a essayé sur le 21 là. Bon, c'est avocat quand même qui a défendu. Qui a défendu avec lui. On va te commander le poule. C'est l'autre bagarre. Gain de présumé bandit, la police stoppé, 4 individus arrêtés à 5 motocyclettes. Qui confisqué yon zam saisi
yon zam sizi deux présumé bandi sa yo ki mortellement blessé nan échange coup de balle avec la police pendant yon opération qui était menée dans zone Molia 20 lundi 26 juin 2023 Akiki Charles Kevins ak Louis Charles Joseph suite avec perquisition et Baou en termes d'information avec individu Sayo, la police arrêté, mais de l'autre tout, la police stoppé après yon opération. Les effets menés dans Moléa 20 lundi 26 juin 2023. Et en Baou, l'autre information encore suite avec yon perquisition domiciliaire qui était faite à Kaye Odouane Guérisma. Nan Fort Jacques 22 nan kad yon conteneur zam ak munition suspect yon te jwenn entrepôt Douya nou sonje nte ba information sa gen pistolet Mark Smith ak Wesson calibre 9 mm numéro série en CTCR 6388 qui gen yon chargeur gani 12 cartouches qui te retrouvé la caille li au douane nan weekend passé hein. Pistolet ça sorti dans même filière conteneur qui était expédié qui était rebête et puis confisqué par un officier judiciaire juridiction pour te faire quoi avec procédure initiale là n'a noté aux douanes Guérisma destinataire collier il était interpellé par la police mardi 13 juin dans Delma suite avec audition dans DCPJ Wilbens Georges ak Michelet Sebonet. Salvador a gen pou installer yon bureau coopération en Haïti pour aider lutter contre crise qui gagne dans pays d'après annonce vice-président pays Amérique centrale là Félix Iowa pendant 57e réunion chef d'État avec gouvernement système intégration Amérique centrale là qui a été faite dans pays Belize. La réponse avec appel président dominicain Luis Abinader a été lancé pour capable aider peuple haïtien. Vice-président Salvador Kenyan, yon soutien nan Washington, pays États-Unis, yon accord pour que Salvador installe yon bureau coopération nan yon ville nan pays Caraïbes. D'après information, la presse dominicaine rapporté pendant discours nan réunion SICA, président dominicain Luis Abinader lancé appel à Bayman Bio pour soutenir résolution récemment. Organisation État américain qui a publié qui encourage État Mabio pour voyer immédiatement aide en Haïti pour capable renforcer police là. Nan fin sommet ça chef d'État ak gouvernement système intégration Amérique centrale là côté pays Belize a été organisé transférer présidence pro temporaire organisation SILA ben République El Salvador. Cérémonie clôture l'ont été faite dans mitan journée mardi suivi un déjeuner pour chef d'État ak gouvernement ak ministre Affaires étrangères à Sicayo. C'est ça qui gagne en termes d'information avec Salvador qui a assimé un établissement, un bureau coopération en Haïti. Nous avons continué avec information. Nous parler avec dossier et responsable organisation Douamoun qui lui-même après 10 jours passés dans le pays en bouclé visite. Qui ça lui dit en termes de rapport? Nous parler avec William O'Neill. Un expert indépendant sous situation Douamoun Nations Unies, William O'Neill, bouclé visite 10 jours, étape réalisée dans le pays d'Haïti, non conférence pour la presse Libaye, des son tableau somme sous situation sécurité pays, défenseur Douamoun qui même fait quoi, les jeunes au pays, côté violence, a fait manger moitié capitale là, en bas contrôle gangue qui a pas suspend, qui pas suspend viole femmes. William O'Neill, quoi, intervention force internationale spécialisée et ben capable ce type pays à nan calamité lié aujourd'hui à Napkoutel Namiko Jean-Philippe Masséan. Les femmes et les jeunes filles continuent de se faire violer par des gangs, souvent collectivement, pour asseoir leur contrôle sur la population. Au-delà de la violence des gangs qui sévit dans la capitale et qui a poussé des dizaines de milliers à se déplacer, les accaparements de terres par les oligarques dans le nord-est a aussi chassé des milliers de paysans exposés à la précarité. Dans ce contexte d'insécurité chronique, les autorités haïtiennes font face à d'immenses défis. Mais, et je dois souligner, la situation n'est pas irréversible. Beaucoup peut être fait pour pallier les défis structurels et conjoncturels ayant mené à la crise actuelle, et ceci rapidement avec peu de moyens.
L'État a un rôle fondamental à jouer en ce sens, en tant que garant des droits humains de la population. La solution pour Haïti doit être en priorité, être haïtienne. Elle doit passer par la mise en place de systèmes de performance et de surveillance pour veiller à la responsabilité et à l'intégrité de tous les acteurs à chaque niveau de la chaîne hiérarchique. L'ampleur de la crise est telle que le soutien adapté et coordonné de la communauté internationale sera fondamental pour accompagner la transition vers une meilleure gouvernance. Ainsi, le déploiement d'une force internationale spécialisée aux côtés de la police nationale d'Haïti est indispensable pour rétablir la liberté de mouvement des populations. Dans le même ordre, afin de limiter la violence des gangs, l'embargo sur les armes, principalement en provenance des États-Unis, établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, doit être appliqué immédiatement. Aucune arme n'est produite en Haïti. Le Conseil de sécurité a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant le trafic illicite et le détournement d'armes et de matériel connexe qui porte atteinte aux droits humains. Donc, avec intervention nationale, sans intervention internationale, pour moi, il n'y a aucune excuse qui explique pourquoi ces hommes peuvent venir très facilement ici en Haïti. Comme j'ai dit, aucune arme n'est produite en Haïti. Tout vient de l'extérieur. La majorité, je dois dire, de mon pays, les États-Unis. Et j'ai parlé déjà avec des diplomates américains, on discute, et j'ai dit, comment ça se fait? Il faut vraiment avoir des surveillances, des bateaux qui partent de la Floride, qui arrivent ici, dans des containers, on a tout ce qui soit de l'église épiscopale, il y a tous ces problèmes avec les douanes avant. J'espère que ça va être arrangé maintenant avec le nouveau directeur aux douanes, qui semble un petit très sérieux, et au fond vers les inspections, c'est bon. Il faut contrôler la frontière avec la République dominicaine et le Jamaïque. On sait que les armes viennent d'ailleurs, pas tous des États-Unis, mais aussi la République dominicaine et le Jamaïque. Mais pour moi, c'est primordial aussi. Si les gangs n'ont pas d'armes, ils perdent beaucoup de pouvoir, de leur contrôle. C'est évident. Défenseur Douamounan qui était visité pénitencier national à prison cap haïtien décrit une situation tête chargée. Système carcéral la prisonnier entassé tant coup sadine dans cellule yo côté en pile là dans yo mouri gringoak problème santé tant coup malnutrition situation ça prouvé une autre fois encore système justice n'a pas marché pas boy site là. William Onel mandé CSPJ continuer avec programme certification juge yo pour capable nettoyer système justice là qui malade. Phénomène bois caliens sur l'autre action qui prouvait faillite système judiciaire là d'après défenseur Douamounan qui malgré ça croit population qui a toujours joué rôle pâle dans combat gang yo bon côté la police. En côté William O'Neill là pour plus de détails. Pénitentiaire national de Port-au-Prince et à la prison civile du Cap-Haïtien, j'étais témoin de conditions de détention inhumaines. 219 détenus sont décédés en détention en 2022, principalement en raison de la malnutrition ou par manque d'accès aux médicaments. Les détenus sont entassés dans des cellules exiguës sous une chaleur étouffante, parfois sans accès à l'eau, aux sanitaires, avec une alimentation insuffisante. Ils survivent dans une odeur suffocante provoquée par de monticules de déchets dans la capitale, contribuant à la propagation de maladies telles que la tuberculose et le choléra. Plus de 83% des personnes incarcérées sont encore en détention préventive prolongée, sans avoir eu accès à un juge ou à un avocat. Certains depuis plus d'une décennie, y compris des mineurs. Je demande aux autorités de déployer tous leurs efforts pour permettre aux détenus de vivre dans la dignité. Ceci inclut l'accès immédiat et constant aux besoins alimentaires. J'appelle les autorités à fournir les preuves, les engagements pris avec une augmentation significative des dossiers traités de personnes en détention provisoire. Un système judiciaire efficace est essentiel pour lutter contre la corruption et l'impunité qui alimente le cycle de la violence et qui paralyse le pays depuis des décennies. Le manque de contrôle, de responsabilité des sanctions des fonctionnaires dans le domaine judiciaire crée un terrain fertile pour la corruption et l'impunité. En ce sens, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les inspections judiciaires doivent redoubler
d'efforts pour certifier des magistrats et assurer que tout manquement sera sanctionné en conformité avec les standards internationaux en matière des droits humains, notamment le droit de recours pour les magistrats non certifiés. Il est également urgent de rétablir le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui n'est plus opérationnel depuis plus d'un an. Wakale, le mouvement d'individus qui se font justice à eux-mêmes de manière organisée ou dans un sursaut de désespoir, est aussi un symptôme de la faillite du système judiciaire. L'histoire a montré que la justice populaire et ses nombreuses dérives n'avaient jamais permis de résoudre la violence. Néanmoins, la population pourrait contribuer à endiguer les gangs en fournissant des renseignements précieux à la. Le régime de sanctions des Nations Unies est aussi une étape importante pour lutter contre la corruption et l'impunité. Elle doit s'accompagner de mesures visant à traduire les auteurs devant la justice haïtienne. Ou toujours sur antenne radio Mega n'a prêté la nouvelle si là malgré tableau accablant li dressé défenseur droit moun nan saluer quand même cet effort qu'a fait dans pays ya tant nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince là li dit qu'il commençait voyer certains signal contre un phénomène de détention préventive prolongée. Williams O'Neill poté solidarité le juge instruction Jean-Willem Morin qui était si bien en tentative assassinat dans cadre bataille la menée contre corruption dans pays ya. Malgré ce sombre tableau, j'ai trouvé quand même des signes prometteurs pour contribuer au changement. J'ai été impressionné par les résultats obtenus par le directeur département de la PNH pour endiguer l'insécurité dans le département du Nord. J'ai noté des avancées rapides déjà obtenues par le nouveau commissaire de gouvernement de Port-au-Prince qui a suivi de près de nombreux dossiers et qui s'est engagé personnellement à rendre des comptes périodiquement sur les progrès réalisés. J'ai pu rencontrer des avocats du barreau d'assistance légale de BAL du Cap Haïtien. Soucieux de faire avancer les dossiers et de pousser le système judiciaire vers des objectifs de performance. Je suis aussi admiratif devant le courage de juges tels que le juge Morin, qui a récemment survécu à une tentative d'assassinat pour son travail, qui continue à prôner haut et fort leur engagement en faveur de l'intégrité du service public et contre la corruption. Je salue en ce sens le progrès accompli par l'unité de lutte contre la corruption pour survivre les présumés auteurs de cas emblématiques. Mon admiration va enfin à la société civile pour leur courage et leur détermination. J'ai aussi été encouragé par les efforts réalisés par les PNH qui opèrent dans des conditions difficiles et avec des moyens limités. Une force internationale spécialisée doit être coordonnée en étroite collaboration avec la police afin de permettre de renforcer ses capacités sur le long terme avec toutes les garanties de diligence en matière des droits humains. Pour moi, il y a eu 6 pannes ici, 6 pannes que si nous ne va trop connaître. On va pas faire n'importe quoi confiance pour un championnat. Parce que dès qu'il y a eu un hôtel là, tout va être arrivé. Malheureusement, il y a eu sur le point, même dans les fermes qui peuvent être sûres. Il y a eu un petit problème, ça va en moins. Est-ce que vous pensez que c'est son jalousie qui t'a fait ça, puisqu'il mm-hmm. va le voyager, c'est ménage ou va le joindre, ou pas penser à venir encore? Tu as la cause. Jalousie a été arrivé, mais nous avons chance qui a propre là. Comment j'ai payé ça à là? Est-ce que vous pouvez prendre le faux espoir, pour mettre tout ça? Je ne fais pas ça. Quand on voyage, vous êtes toujours avec elle? Oui, on a toujours ensemble. Numéro Stéphanie, vous pas essayer de rencontrer la personne avec elle? Là, numéro ça va exister là. Comment sortir? Il y a mal dans la en tout bail. Où sont les lieux pour le programme Biden? Non. Yes. Là, il y a un son de 2500 dollars. Mais ça n'a pas de problème. Il met quoi comme là? Fais-moi une pièce. Il met une pièce dans le commissaire de la matinée. Il met une pièce dans le moins. Ça, ok, pour mon bail. Mais comment faire pour une pièce ça? Expliquez-nous faire. Comment ça t'est passé? Je ne sais pas bien comment faire pour passer mal à la tête. Combien de temps il y a avec? Mais l'autre bien, on va se mettre là. Ça, on va se mettre là.
Pour qui ça? L'article 52, décret 29 mars 1979, il est clair. L'article 52 a dit, avocat militant, du plaidé dans toute juridiction net. Avec dit, avocat en bas, c'est avocat de la République. Mais Caleb, je ne vais pas être avocat en bas. Si on ne connaît pas avocat en bas, ou même pas M. Caleb, mais Caleb, je ne vais pas être avocat de la République. Et on dit, j'appelle là où il est là, je ne vais pas placer machine ma première avion Mali. Malgré tout. Et si vous avez votre côté. Si vous avez votre côté, même c'est avocat de la République. Mais, en tant qu'avocat de la République, si vous avez côté, c'est ça que définit le conseil là, nous pouvons faire des routes dans la Baume, qui vous dit que vous n'avez pas en sanction. C'est ça que je nomme dans la Baume. Baume, on fait des routes qui sont moins en sanction. Je vais faire des routes pour nous. Très bientôt, je vais faire des routes dans la formule. Qui dit que je suis en sanction, et puis immédiatement je suis en sanction dans la Baume, moi, avocat, tout côté, je dis, sur notre raciste, sur notre intéressé, sur notre qui sale l'image professionnelle. Sur notre qui sale image, bah, au Port-au-Prince, qui sont grands barreaux tout, même j'ai barreaux femmes, même j'ai plusieurs autres barreaux. On note qui sale image, corporation, côté que, y a une institution, y a une institution, dans le niveau qui est plus bas. Dès qu'à aller pour des petits bagages, y a barreaux, mais non, même qu'il y a des gens qui étudient l'institution, pour regarder personnel, mais nous-mêmes, comme avocats, nous pas écraser l'institution. Parce que, 80% avocats dans le Port-au-Prince, fâchés pour mourir des notes ça là. Des notes chicanières ça. Des notes en la loi ça. Des notes discriminatoires ça. Nous avons toujours été avec Maître Caleb Jean-Baptiste qui nous a dit le premier temps qui t'a préagi suite avec notre barreau qui a sanctionné. Maître Caleb Jean-Baptiste, il y a un autre bon expliqué raison qui fait barreau après décision. Ça, c'est parce que Mulat a pas droit en prison en Haïti. Maître Jean-Baptiste qui admet c'est lui qui t'a fait vidéo à Dil Paris pour recevoir toute menace. Cap vient joindre lui dans dossier ça, il prend engagement pour continuer commettre même action. Ça compte quel que soit mon cap violé la loi dans le pays. On écoute Maître Caleb Jean-Baptiste pour plus de détails. Nous avons un problème. Le problème est qui ça? Mulat pas qui doit arrêter en Haïti. Les gens qui font partie de la bourgeoisie haïtienne pas qui doit arrêter en Haïti. Qui bon? Le pays Mia, côté Maître Caleb Mia, tout un Maître Caleb Jean-Baptiste est convaincu. C'est garanti une cabane. Maître Caleb, c'est garanti une cabane. Tout un Maître Caleb Jean-Baptiste est encore vivant, a toujours gagné Jean d'arrestation sur ça, depuis que nous avons violé la loi. Mais qui est riche, depuis que violé la loi, Maître Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. Côté pauvre, depuis que violé la loi, Maître Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. Côté noir, depuis que violé la loi, Maître Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. Côté rouge, jaune, n'importe quoi, il y a depuis violé la loi, Maître Caleb Jean-Baptiste a fait arrêter. Je n'ai pas de problème avec mon rouge, je n'ai pas de problème avec le monde. J'ai des problèmes avec le monde qui a violé la loi. Je dis à la formule là, t'as vu. Il a travaillé contre Maître Caleb Jean-Baptiste. Marie Mouna Boulé. Depuis que Maître Caleb Jean-Baptiste. De même, tous ceux qui sont des victimes, sont des victimes, Marie Mouna Boulé. Il a travaillé contre quand même. C'est la loi qui m'a payé pour le violer. Pour marcher. Pour me dire que c'est ça, je ne vais pas dire ça. Son note, moi aussi, il a rappelé, depuis qu'il a été retiré, il a été retiré depuis 6 mois. Il ne va pas faire de boulot. Parce que je ne vais pas dire que c'est ça. Quand ces jours-là, comment ça? Il est un commissariat. Avocat Maître Renault George, vous j'étais bien une décision conseil l'ordre d'avocat au Port-au-Prince qui annulait temporairement autorisation pour Maître Caleb Jean-Baptiste exercer métier avocat pendant 6 mois. C'est une décision inconstitutionnelle qui violait l'article 28 Constitution 87 là, qui dit clairement tout haïtien qui doit pour libre. Maître Renault George, j'ai souhaité conseil l'ordre d'avocat aurait saisi un côté Maître Renault George, Namiko José Bellamont. Je compte le conseil de l'ordre d'associer. Maître Caleb Jean-Baptiste. Au motif que la Constitution de la République là que moi j'ai écrit en son article 28, il dit clairement et sans embarras. Article 28 de la Constitution. Il dit tout haïtien a le droit de s'exprimer librement en toute matière par la voix qu'il croise. Donc, si Maître Jean-Baptiste décide de parler dans la radio, il va aller dans la radio, dans la télé, il va aller dans la télé. Sur WhatsApp, il va aller sur WhatsApp. Mais Caleb Jean-Baptiste, libre de ses moyens, moi-même, moi, j'aime parler avec Bâtonnier. Je ne suis pas d'accord avec Bâtonnier. Parce que je ne vais pas mettre ma bouquette dans le bouffon. Avec ma bouquette, elle a tombé depuis 2006. Donc, nous ne pouvons pas mettre ma bouquette quoi. Non, mon avis, je vous dis que le décret soit avocat. Mais le décret n'est pas plus fort que la Constitution. Le problème, nous, en Haïti, que nous toujours en crise.
c'est parce que nous ne pouvons pas respecter la Constitution. Et comme vous l'avez dit Ariel, sur les jours cristallins de la Constitution, c'est vrai ou pas vrai, les jours cristallins. Il y a l'article 59 qui dit que vous n'avez pas là du tout. Et il y a l'article 58 là de la Constitution qui dit que si le président est absent, temporairement. Tout le monde voulait une Constitution par eux. Chaque monde veut une Constitution en force. Qui paye nous être comme ça? Donc nous n'avons jamais qu'à résoudre aucune crise. Dirigeant Front National, organisation résistance pour Haïti stable et démocratique, Rosemonger exprimé solidarité avec Maître Caleb Jean-Baptiste, bah, au Port-au-Prince, sanctionné. Militant politique là qui a dénoncé décision Baroa fait connaître une décision contre tout le monde qui est victime. En bas, mais Yael Johanna Clerier Zrek.